PEGI 18. Une catastrophe inattendue. L'élégant Alexei, l'un des quatre puissants démons, apparaît dans le ciel de New York, lâchant des éclairs sur les rues de la ville arrogante. Ryu Hayabusa arrive à Manhattan pour la recherche d'Elizabeth, qui s'est enfuie dans du village Hayabusa avec la statue du démon. Les démons ont déjà commencé à faire de New York leur royaume. Le combat de Ryu commence, alors que le tonnerre et les rires du grand démon résonnent dans toute la ville. Ah, j'ai du mal à lire ces chiens. Bonjour à tous! Ladies and gentlemen, attends, j'ai niqué mon entrée. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Ninja Gaiden en compagnie de Baiko. C'est quoi, j'ai la voix de Gabumon en fait. Parce que je vous explique, récemment j'ai eu l'envie de me remater l'intégrale de Digimon, mais saison 1, celle que j'avais connue. Et c'est une fois adulte que tu les réécoutes que tu te rends compte que y a certains trucs, mais c'est au schnapps quoi. Genre Gabumon, c'est « Gabumon, Digivolve-toi, hein, Garurumon, ha ha ha, eh bien nous allons continuer, Ryu Hayabusa, ha 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 !» Here we go. Oshikuzu no miyako. Utsukushi. Demo, kimi wa miyakite shimatta robot ne. Goran kirei da. So. Ureshi ka? Kimi wa sumi de ii. Bon, là c'est la bête. Et parce qu'il faut savoir que dans la mythologie japonaise, les démons sont tous dégueulasses, t'as pas d'autre. Sauf les gentils, sauf les grands chefs démons qui sont toujours sexy, sont toujours comme Alexei, ils sont squishy. Alors j'ai repris le costume noir parce que le costume rouge faisait un peu trop artificiel. Et on y va les démons! Here we go! Coffre. Hop. Est-ce que je peux m'acheter des choses? Est-ce que je peux m'améliorer des trucs? Je peux m'améliorer que les sabres, bah. Ça va pas faire de trop, parce que pour le moment j'ai que ces trois armes. Sabre de ninja. On reprend le sabre. Et là, vous avez vu, il y a des chiens! Qu'est-ce qu'on leur fait aux chiens? On les explose! Couchez! Allez, chiens! Ah, faut savoir que les chiens peuvent être rapidement être perçus! Couchez! Je suis Ryu Hayabusa! Alors, on m'avait dit une phrase dans les commentaires, une phrase classe. Ah. Couchez! Pif! Méchant chien! Une phrase classe à dire dans les commentaires, mais elle est trop longue et je m'en souviens pas. Voilà, c'est le seul. Bon alors, petit résumé, on avait défendu notre père Yasuo, à contre-coeur hein, évidemment. Chauve-souris! I'm Batman! À contre-coeur évidemment, parce que c'est Yasuo, faut pas déconner. Elizabeth avait volé la statue du démon. Et du coup, à lâcher les démons sur le monde. Du coup, c'est la merde. Ils ont bouffé tous les humains, on est le seul debout encore. Oh. Un message! Tard, des lames volantes. Ah, c'est un nouveau sort! Attention, on va essayer. Montrer. Hop. Là, les lames volantes. En fait, c'est juste des shurikens volants qui. Ah! Oh, yeah! Bon, j'ai raté. Get out of here! Oh!
Il a esquivé ma contre-attaque. Oh, couper la jambe! Quel move magnifique! Bon. Les humains d'ici ont perdu la foi. On va leur inculquer la parole de Dieu. Un coup de bâton dans la gueule! Où est l'archer? Répands tes intestins sur le divin mur du Seigneur! Peggy 18, évidemment. Là, on peut pas. Aïe. Hop. Je vous le dis également au début de l'épisode, n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre des pouces verts. Hein. C'est quoi? Faites un bon jeu. Même si ça vous plaît pas, faites-le. Au moins, c'est... Aïe. C'est comme aider une vieille à traverser. Et tous les personnes n'aiment pas les vieilles, mais au moins, vous aurez votre place au paradis. L'attaque du ventilateur. Fou. Ressens la parole de Dieu! Droit dans ta gueule! Je te prierai de ne pas me couper l'herbe sous le pied! Ne cherche pas à me mettre des bâtons! Ne cherche pas à me mettre des bâtons dans les roues! Ou j'en mettrai dans ta gueule! Oh! Bâton! Moonstaff! Bon, là vous êtes chiant là en fait. Bon, les archers, vous cassez les couilles! Ressentez la main de Dieu! Avant qu'il aille à la manucure! Il avait les ongles très longs! Aïe, mais en fait ça fait mal en fait. Couchez! Pas bouger. Petite course sur les murs parce que c'est classe. La statue du dragon de la terre. Guérir et sauvegarder. Alors, où je vais? Je vais là. La technique du oiseau bondissant. Oh, tranché. J'arriverai pas à faire la technique du marteau filon. Que tranchage. Couch. Tu n'es pas adepte de la technique du marteau filon. Tu es donc... Oh là. Une dépitérodactyle. Oh. Dans le vent obscur. Le vent obscur. Non, là-bas. Bon, laisse... plutôt la technique auto-ciblage. Voilà. Un tir. Un mort. Je suis... je me souviens plus du champion de LOL. J'ai un tir à mort. Je sais même pas si c'est dans LOL. Ah non, c'est dans. C'est dans Hearthstone, l'archer elf. C'est la 1-1 qui pour 1 fout 1 point de dégâts. Genre la carte la plus moisie des tourins. Avec le poulet furieux. Truc en bas. Y'a un coffre! Lame tourbillonnante! Mais y'a pas le marteau pilant! Attendez. Alors, qu'est-ce qui, en langage ninja japonais, veut dire marteau pilon?
apparent, non. Oui, c'est mal foutu par contre les techniques. Griffe de roc, Y en parent. Croc du lion en parent, Y après avoir lancé Var. Qu'est-ce que c'est Var? L'anneau des neuf queues. C'est un peu difficile ça. Je sais, comme dans Street Fighter. Quart de cercle, hop. Oh, c'est trop classe! Oh, best jeu ever! Alors, par contre, marteau pilon. En courant, en parant, à côté d'un ennemi à terre, chien chat. Pro du tigre volant. Assaut féroce. Lâcher d'Izuna. Ça va être ça. Ça doit être ça. Lâcher d'Izuna. X, 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 Y. Oh, oh. Ouais, il faut un. Il faut un cobaye. J'ai besoin d'un cobaye. Gabimon. Cool, ça sert à rien, mais c'est cool. Mais non, mais. Non, prends les chefs. Ça fait pas l'enfant, rien. Faudra un cobaye. Un petit cobaye de. Non! Ryu, tu es. Mais bon, si possible, je. Ah! Parfait! Oh! Marteau pilon, c'est de lâcher du tout, non! Je vais faire plus que ça! 2, 3! Oh, marteau pilon! Le crâne qui éclate! En millions de petites particules intrinsèques! Ah, parfait! Alors, quart de cercle. Quart de cercle. L'anneau des neuf queues! Oh, chiant ça! Waf, waf! Waf! Best jeu ever! Le truc, c'est qu'il faut tellement apprendre les techniques. Et si jamais l'un d'entre vous y a déjà joué, probable, hein, qu'il me dise ce que ça veut dire la flèche, var, tout ça. Enfin, la flèche, je suppose que c'est. Ça. Oh! Ninja! Marteau pilon! Ah! Et zoom! Hein? L'ado des neuf queues! Et non, mais pas dans ce sens. L'anneau des neuf queues! L'anneau des neuf queues! Oh, oh ben j'adore, j'adore. Trop bien parce que c'est un beat'em all mélangeant les techniques des jeux de baston! Oh, j'adore. Vas-y, je vais essayer avec le bâton. Bâton de dieu! Couchez! Ouais, bon, en fait, c'est très difficile à prendre en main. Je vais arrêter de papillonner, de flâner, moi, parce qu'il faudrait peut-être que j'avance. Des chiens! Oh, mon dieu! Pire! Des chiens avec des couteaux! Ninja Gaiden 2 a inventé le concept de Steve, le loup blanc, avant tout le monde! Et en fait, eux, ils font mieux parce qu'ils lancent des grenades. Aïe aïe aïe! Des pistes, les enfants! Marteau des lames! Tous on attaque tous par exemple. Marteau vulcain! Et deux! Enfin! Par où? Merde. Non, c'est là-bas. Je reprends mes. Je prends mon sang. Me bats pas trop, ça. C'est chiant. Ça m'emmerde. Guten Tag. Ah oui, je pense. Première introduction aux démons. Nouveaux ennemis de base. Les chauves-souris ont des têtes comme ça.
Mais c'est un méchant démon, ça. Il a attrapé la chisterie, méchant démon. Et tu l'arraches en deux parce que t'es un démon. Harpie Arton. Aïe 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 aïe. Oh fou, quelle haleine. Tu vas goûter à mon marteau pilon. Okay, c'est peut-être un petit peu trop gros pour le marteau pilon. Meurs et ne reviens plus. Ninja. Oh, j'ai oublié de chercher le message. Oh non. Non. Oh non, je suis dégoûté. Les démons se cachent ici. Oh. Non, il a pas de... Chopez les chauves-souris. Ventilateur divin. Voilà. Élément. S'il vous plaît, mesdames. Alors. Oui, parce que ça, ce sont des égouts. Ce sont les égouts de New York. Oui, à New York, les égouts sont vraiment comme ça. Où va-t-on ? Et Dieu ! Gros con ! Gros con, mais gros con ! Moi qui pensais que les épisodes seraient courts. On peut marcher sur les grillages. Oui, on peut marcher. Parfait. C'est parfait, tout ça, c'est parfait. Tout à fait. Tu baisais. Jeu de merde. J'ai oublié de faire le 1, 2, 3 clics. Bon, pas grave. Il faudra que je me mate sur... faudra que je me marque sur un post-it. N'oublie pas, ne pas oublier de faire le 1, 2, 3 clics. Je pense que je comprendrai. Hop. Et zut. Ah non, il y a un coffre là-bas. Message. Hop là. Un joyeux saut démoniaque. Oh, cool. Ça va être l'instant buff. Mais non, mais Ryu, mais pourquoi? Pourquoi t'as d'espace? On peut en parler, tu sais. On peut en parler. Tu sais que ta combinaison te colle à la peau. Voilà, la vie des minutes. Augmentation de la vie par le pouvoir des mille divins. Encore une fois. C'est de la drogue. Vous enfoncez toutes ces boules dans le fût. Riles. Et le joyau de saut démoniaque. Ah, c'est pour augmenter le niveau. Alors, l'âme tranchante, c'est plus rigolo. Niveau 2. Et après, c'est que des gros. Ryu! Mais Ryu! On peut en parler! Ah! J'ai envie de me suicider! Là! Voilà! Putain! Marteau! Vulcain! Inutile! Vulcain! Chauve-souris!
Merci, Dave. Ninjoy! Hop! Le fleuri! Un problème de nuisible. Appelez Ryu. Hayabusa! Il pulvérisera le problème. Couché. Là, c'est de la place. J'ai pas envie d'aller soif. Là, il y a des objets, mais je prends. Couché. Putain, ils sont tous, c'est con. Venez dans l'arène. Normalement, je t'ai foutu 3 coups dans le bide, t'es censé avoir mal. J'adore comment il tremble, j'adore. Et en fait, je suis fait taper. Toi, tu as autant de courage qu'un petit mot. Putain, j'en étais sûr. Goûte à les lames. Les lames. Viens que je t'aplatisse le crâne. Gentil. Alors là, c'est là où on peut aller. Là, il y a un truc. Technique de la voix invisible. C'est pas comme si on était vraiment au courant. Attendez, il y a deux chemins. A mon avis, le chemin, le bon chemin, c'est celui devant lequel j'ai trouvé le parchemin. Ça veut dire qu'au bout de celui-là, un cadeau. Pas du tout. Et théorie foireuse par Baiko. Ah, ninja, ninja, ninja. Oh. Y'a un truc ici? Non, 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 descends, descends. Ryu! Hop! Fille de Dieu! Oh joie! Ah, on peut pas bouger la caméra dans l'eau, c'est chiant. Certains d'entre vous font le crawl? Ryu, il marche sur l'eau. Quand je vous disais que Ryu, c'était Jésus. Jésus Ryu. Petite échelle, pour que ça tienne. Hop là. Souris. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau AOE, on n'a pas vraiment beaucoup d'armes pour le moment, à part le bâton. Comment on va faire? Pas du tout. Allez, allez, allez. Ah, laissez-moi! Mais tu es perturbé, Ryu. C'est quoi? Ce sont les chauves-souris? Tu en as peur? Tu es comme Batman? Rends comme un ballon, et plus jaune qu'un citron, c'est Batman, Batman. Saute. Merci. Venir. Pas grave, c'est le week-end. Voilà. Oui, les égouts de New York sont vraiment abîmés comme ça. Ninja! Ah,
excusez-moi, j'aimerais pouvoir exploser vos tripes tranquille. Tu veux jouer à celui qui a le plus gros arc? Bim! Il essaye! Parce que j'ai assez de karma. Pas du tout. Et j'en suis déjà à la moitié du karma pour améliorer. Je verrai quoi. Hey! Je vais par là, y'a quoi? Alors vu que c'est le premier ventilateur qui nous est apparu, je dirais qu'il faut aller par là. Moi je vais aller de l'autre côté. Je tiens un message. Kunai incendiaire. Ça va m'en faire bien. Arrête-toi. Non d'accord. Venez vous battre. C'est vraiment par là? Et d'un, et de deux, et de trois. Y a un message. Ça c'est toujours intéressant. C'est pas un message. Calme-toi. Pour en parler. Des points. C'est toujours bon à prendre. Pour les armes. Et là du coup, on peut tranquillement aller là-bas. De même, si on est un fou, montez. Ah. Shot. Hop. Headshot. Wouh. Ça lui a chatouillé l'oreille au mec. Fort heureusement, il vise aussi bien que moi dans... Voilà. Oh mon dieu, il est là-haut. Je ne suis pas programmé pour aller là-haut. Right. Motherfucker. Comment ça, je suis là? Bon, on va faire en sorte que les autres épisodes on les rush parce que là on est déjà à une demi-heure. Bon, où est-ce que je vais? La solution est la situation est parfaitement sous contrôle. Sous contrôle. En fait, j'ai vu qu'il y avait une barre transversale. Et c'était pour voir si vous suiviez. Ninja! Oh, moi j'ai des chauves-souris. Oui, parce que les bras c'est pour les femmelettes. Enfin. Ok.
remonter. Pardon, l'ascenseur est occupé. Le videur de cette boîte. Des flèches, parce que, à mon avis, on va en avoir besoin. Et technique du l'oiseau. En vol. Ah. Je te peux. Perryou. Non, Ryu, tu fais pas de conneries. On attaque qui fait des dégâts. Je suis calme. Je suis très calme. Je suis très calme. Marteau, pilon. Maintenant que je sais la faire, je vais en bouffer. Et celle-là aussi. Oya. 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 Alors, faut aller là-bas. Faut aller là-bas. Oya. Oya. Ah, putain de feu. Tu te couches maintenant. Ah oui. Non mais ce qui est fun avec cette arme en fait, c'est que vous pouvez super facilement démembrer complètement un démon. Genre le démon il regrette d'être passé par là, il a plus de bras, plus de jambes, plus de tête. Et plus de vite. Et c'est un mal. Couchez démon. Total maîtrise du combat. Vite. Eh, les orbes. Non, j'en avais vu des bleus. C'était une illusion de. Oula. Ah. Attends, je vais viser moi-même parce que t'es une merde. Oh, je n'y crois pas. N'arrive pas à maîtriser l'art de la voix invisible. Moi, le maître de la... technique des traces de pas invisible. Mais comment est-ce possible? À mon avis, mon corps n'arrête pas de pencher vers la gauche. Pourquoi? Je sais que je dois sauter vers la droite, puis vers la gauche, mais ensuite vers la droite. Et ainsi de suite, et vers la gauche, et vers la droite, et vers la gauche, et vers la droite, bref, comme Bayrou. Mais ça a l'air tellement bizarre quand, j'essaie de faire vite, je finis par glisser et je tombe sur le sol. Ma voix est dégagée, je dois me fouetter, mettre ma main dans les flammes, me coucher sur ma clavicule aiguille. N'importe ce qu'il faudra pour m'endurcir. Je dois ravaler mon orgueil car je ne progresserai qu'avec de la persévérance. Je vais me battre contre moi-même, et aussi dur que si c'était mon jour dernier. Madame Hussein, Madame Ishii. Eh ben mon cochon, c'est ça que j'arrive pas à faire. Oh. Allez, une amélioration, pitié, une amélioration. Oh non, il est. Ouais. Mais c'est... Pilon. Hop. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une grosse connerie. Test de valeur. Non. Une histoire à terminer. Mais Ryu, j'ai une histoire à terminer. Et vite, c'est possible.
Les contrôles. Les contrôles. Bon, j'aimerais bien sortir du métro, pas. Tacle glissé. Oh, si tu veux m'enchaîner dans un coin, dans la cité ou quoi? Couché. Qui seront les suivants? Attends, Ryo, on peut en parler. Ah, il est là-bas, putain de... On va y arriver les gars, on va y arriver. On va y arriver un jour. Lui est là-bas. Démembration. Wagon là. Pourquoi tu veux sauter? Voilà. Gentil Ryu. Rien. Oh, le coup de pied circulaire dans son bide. Une des plus grands shonen que cette terre ait connue. Marceau, ta clé. Marteau. Tu fais un tacle, je coupe le bras. Va comprendre. Il y en avait un autre. Capter. Tu m'as raté parce que j'étais en train d'achever ton pote. J'étais derrière ton corps et tu l'as transpercé comme le gros traître que tu es. Pouce bleu pour ces exécutions. Et pour le marteau pile. Oh non, pas ce boss! Mesdames et messieurs, je vous dis au prochain épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cet épisode vous a plu, on va perdre ce putain de boss! Oh yeah. Au prochain épisode!